Bonjour à toutes et à tous. De l'agression, plutôt du lynchage du jeune Nouri au troisième confinement, il y a une continuité. La continuité, c'est cette politique d'État dissimulée, traître, scélérate, qui consiste à rééduquer le peuple français. La France est devenue, ça date des années 80-90, est devenue un grand camp de redressement, camp de rééducation, où les honnêtes gens réapprennent la vie selon les nouvelles règles du jeu. Où la femme n'est pas l'égale de l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas porter ce qu'elle veut, ça c'est la racaille qui impose sa loi vestimentaire, où l'homme ne sert plus à rien puisqu'il ne peut pas se défendre, il est humilié par les agressions, par les lynchages, par les 120 coups de couteau quotidiens en France, notamment dans les transports et pas seulement, où l'État n'est pas au service de la population, il la rackette par les impôts extrêmement élevés, mais il n'est pas là pour défendre la population. Voilà, donc il y a une ambiance de punition qui sature cette France, c'est ça qu'il faut comprendre.